j'ai 13 ans et je suis pensionnaire à Djamba. Moi, je veux devenir un footballeur professionnel pour jouer au PSG dans les grands clubs. C'est ça mon rêve. Mon papa, je me rappelle qu'il m'avait acheté un ballon et nous sommes partis à la plage et j'ai commencé à m'amuser avec le ballon. Ah, je pense que j'avais 5 ans ou 6 ans. Je me suis rentré dans les écoles de football et c'est comme ça que j'ai fait des tests pour entrer ici à Djamba. Ici à Djamba, on éduque mieux que là-bas. Ici, il y a l'encadrement, il y a les études et il y a les soins aussi. Et là-bas, à nos parents, il n'y a pas tous ces moyens-là. Si je réussis mon bac et je ne réussis pas le foot, je vais continuer mes études pour aider mes parents. Le football est juste un angle d'attaque. Que les jeunes deviennent demain de grands footballeurs, mais super, c'est bien. Mais qu'ils soient aussi de grands ingénieurs, de grands professeurs d'université, de grands médecins. À Djamba, les études sont au centre du projet. C'est la quintessence même du projet. C'est d'abord l'école, le foot. Si tu ne fais pas attention, ils pensent que déjà l'objectif est atteint. Alors que les choses viennent de commencer.